Allez, bonjour à tous et très beau retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur du Starbase. On va se faire un, un petit tuto pour débutants. Euh, ni plus ni moins. Hein. Je vais essayer de découper ça en, en, en petits chapitrages. Je voudrais juste apprendre la partie qui vous intéresse ou à regarder euh, l'entièreté de la vidéo si jamais vous voulez absolument tout prendre comme conseil. Donc, en tout premier lieu, c'est qu'on va s'intéresser à la station qui paraît euh, démesurément grande euh, au tout début. Alors... Le mieux, c'est de prendre de la hauteur pour vous la présenter. Ici, on va avoir le numéro de la station. Ce qu'il faut savoir sur les stations, c'est qu'on va avoir toutes les autres. Alors, depuis la mise à jour, on les voit... Plus du tout. Donc au début du jeu, on va choisir une station. Elles sont toutes identiques. Et en plus de ça, c'est que avec mon petit vaisseau, je vais pouvoir rejoindre euh, les stations euh, de mes amis. Par exemple, je vais pouvoir aller à la station 22, activer le petit panneau de téléport, pouvoir m'y rendre et pouvoir euh, y rapatrier mes vaisseaux si jamais. En gros, on a pas mal de petites choses, mais c'est vraiment le point central des stations qui va être intéressant et qui va être à regarder. On va avoir cette espèce de gros hangar rouge avec le vert. C'est deux endroits où on va pouvoir acheter des vaisseaux. Euh, les deux autres en face, on va voir l'hangar Easy Build, euh, c'est le fameux hangar qui permet d'y mettre son vaisseau et de pouvoir y poser des modules, des modules que l'on va pouvoir crafter ou des modules que l'on va pouvoir acheter. Donc quand je parle de modules, c'est un ensemble de plusieurs pièces qui sont déjà euh, pré-assemblées et pré-câblées, donc ça va être vraiment du Lego, on prend, on pose. Pour l'heure, c'est encore bugué. Je vous recommande euh, pas cet aspect de construction pour le démarrage si vous voulez pas euh, prendre de très mauvaises surprises. On va avoir ici euh, le dernier hangar euh, principal. Ça va être pour faire son vaisseau de A à Z. Il suffit de s'y rendre. On va rentrer euh, dans l'éditeur de vaisseau, à partir d'une feuille blanche. Euh, prendre vraiment euh, tous les petits éléments qui existent euh, du vaisseau. Je vais essayer de vous les montrer par là. Donc ça, justement, on est dans l'onglet crafting. Ça va être toutes ces petites pièces. Donc ça va être des ensembles euh, de poutres, des ensembles de plaques qui vont être assemblées les unes aux autres avec des propulseurs, des générateurs, etc. Euh, et à la fin, eh ben, on va avoir un petit vaisseau tout monté. On va pouvoir euh, tester un peu sa durabilité, etc. Et pouvoir, bien sûr, acheter son vaisseau après. Euh, on va avoir euh, des parkings, donc ça c'est très bon de les situer. C'est des endroits où on va pouvoir faire euh, spawn son vaisseau. Donc quand on s'y rend à pied, qu'on est un peu per euh, perdu, il suffit de situer les petits L qui sont disposés un peu aux quatre coins de la map. Vous en rejoignez un, il euh, y aura forcément un panneau sur lequel vous pourrez interagir avec un de vos vaisseaux et pouvoir soit le rapatrier quand il est loin dans la ceinture d'astéroïdes ou ailleurs. Euh, sur une autre planète, une lune, etc. Ou euh, s'il est à l'intérieur de la station, vous pouvez le faire apparaître. Parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de hangar ici pour stocker ces vaisseaux. Les, les vaisseaux, ils vont euh, forcément despawn à partir du moment où vous serez dans l'enceinte de la station. Donc là, je suis juste aux abords. Hein. Si je m'approche un petit peu plus, on va le voir le petit euh, message qui va apparaître. Voilà, dès que j'ai le petit message en haut à droite qui m'annonce dans euh, 600 secondes mon vaisseau va despawn euh, tout seul. Donc c'est pas une mauvaise chose, sauf que si il despawn et que je suis à cette hauteur, je vais mettre un certain temps à rejoindre la station. Voilà, ici on a peut-être une meilleure vue parce que quand vous êtes à pied, des fois vous voyez pas grand-chose. N'hésitez pas à prendre un petit peu de hauteur et tous les petits cubes qu'on voit, on va prendre le plus proche. Donc, il y en a de ce côté, il y en a ici, donc ça va être celui-là. Euh, n'hésitez pas à euh, utiliser le jetpack pour prendre de la hauteur et vous repérer un peu dans la station, mais n'hésitez pas surtout à vous reposer et à courir. À activer la course, vous irez nettement plus vite qu'en volant. Voilà, on est juste en dessous d'un L, donc on est dans ces espèces de grandes zones de spawn et des spawns. Donc, au milieu de chacune d'elles, on va avoir justement. Euh, ici, ce petit panneau qui va lister, euh, pardon, lister euh, bah, les fameux vaisseaux qui sont ou dans la station actuelle et en bas, j'ai l'option spawn ou euh, les euh, vaisseaux qui sont à rapatrier. Donc, ça, c'est suite à un petit bug. Il est en train de me calculer le prix en fonction de la distance. Et il va m'afficher un vilain prix de 15 000 crédits pour pouvoir le rapatrier. En tout cas, on va faire spawn notre petit vaisseau du début pour pouvoir vous montrer. Il y a toujours un petit temps d'attente. Il est en hauteur. Faut pas hésiter à le rejoindre au jetpack pour pouvoir retrouver votre petit vaisseau. Ok. Autre chose que je voulais vous montrer, ça va être avec le bouton échappe, Si jamais vous voulez, euh, je sais pas moi, votre vaisseau a des spawns, vous êtes super haut, vous voulez pas euh, vous euh, balader en jetpack, vous allez directement dans transfert d'assurance. Vous allez pouvoir rejoindre un euh, des TP que vous avez activé. Par défaut, je crois que vous n'aurez que Origin. Origin, il va vous ramener ici, devant le Command Center. Euh, je vais pouvoir vous en montrer un autre que j'ai activé par exemple. On va se mettre dans le Easy Build. Donc là, il va falloir attendre un tout petit peu que les textures chargent. Je vais vous mettre la lampe. Et voilà. Donc, ça, c'est les fameux panneaux qui vont être noirs. Donc, dans le Easy Build par exemple, on a ces panneaux pour faire spawn son vaisseau. Il va être juste derrière. Euh, donc, par défaut, bah, il y a juste. Donc, moi, je l'ai ici, le Easy Build. Il y a juste à prendre une case qui sera vide, noire. Vous la sélectionnez et vous faites mémoriser. Et puis là, vous pourrez euh, vous transférer d'une petite station à l'autre. Donc soit vers ces panneaux, euh, via ces panneaux, euh, soit euh, via le transfert d'assurance. C'est ce que je vous recommande parce que la station sont juste immenses. En termes de déplacement, qu'est-ce qu'on va avoir euh, La fameuse touche euh, G. Des fois ça peut arriver. Quand on l'active, on vole pas vraiment. Euh, surtout quand on retombe, hein. quand on retombe, eh ben, on va plus entendre des bruits de pas, on aura cette sensation de glissement, la touche G, c'est des espèces de petits propulseurs. Alors je sais pas si c'est tout à fait ça. En, en tout cas, on glisse, il euh, y a cet effet de glissement, la touche G, elle est super utile quand euh, c'est un petit peu plus lissé, tous ces mouvements, on monte plus doucement, on descend plus doucement, quand on veut faire de la construction autour de son vaisseau, c'est très bien. Euh, en revanche, quand on, veut, euh, voilà, quand on a ce petit problème, il suffit de recliquer dessus. Pour avoir les deux pieds bien collés sur terre. Ok, donc au niveau des stations, euh, je vais pouvoir vous parler euh, un petit peu plus du vaisseau plus tard. Hein. Donc là, pour le moment, c'est ce qu'on pouvait faire à pied. Donc, bien évidemment, je vous recommande de faire le tuto. Donc, par défaut, vous l'aurez si jamais euh, vous voulez euh, revivre un petit peu eh ben, certaines parties, soit pour reprendre du crédit, soit euh, pour reprendre euh, les récompenses. Donc, c'est notamment le cas du vaisseau de base. On peut l'obtenir jusqu'à 10 fois. Si jamais... Euh, vous l'avez bricolé, que la base elle est vraiment presque corrompue parce que vous avez touché au câble, etc. Refaites le repair job juste après. Ça sera la petite étape euh, le, du tuto réparation. Juste après, vous aurez à nouveau la récompense qui sera dispo euh, 10 fois, encore une fois. Euh, bah, etc. Vous avez juste à cliquer pour réactiver le tuto si jamais on clique ici. Pour, euh, clore tout ça euh, juste avant je vous montre cette partie qui est assez intéressante c'est la fameuse touche euh, alors moi je l'ai mise là c'est la touche euh, c'est la touche a euh, donc, la touche elle va vous permettre de vous aligner sur une surface visible. Donc, là par exemple, je peux cliquer là pour m'aligner directement et avoir ce plan de base comme surface plane. Euh, ça va permettre en quelque sorte de marcher sur les murs sans qu'on s'en rende trop compte. Euh, donc, là par exemple, il y a une rampe de lancement, je suis aligné là-dessus. Là, avec le reste de la station, ça file déjà plus la gerbe. Voilà. Voilà qui est nettement mieux si j'ai à prendre ce, ce chemin pour aller ailleurs. Allez, avant de parler euh, du euh, minage, etc., c'est juste un dernier petit euh, point qu'il faut savoir c'est que du coup, on est sur un euh, MMO. J'ai pu euh, vous le dire que les stations peuvent être euh, jointes les unes aux autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu on est euh, dans une safe zone. Donc, le MMO est en PVP, évidemment. La safe zone est très grande. Je crois qu'elle fait 200 km par 200 km avec euh, votre station comme point central. Donc,. Avant de la quitter, euh, je crois qu'il y a. Euh, C'est dans les options. Euh, quoi qu'il en soit. C'est euh, une option qu'il va falloir activer pour euh, quitter la safe zone. Donc ça va être dans le jeu. En gros, c'est si activer le vaisseau euh, va pouvoir euh, bah, quitter la safe zone. Donc ça, par défaut, il est désactivé. Euh, c'est une petite protection, j'imagine, qui va vous permettre justement de vous maintenir dans cette zone où euh, il me semble qu'il y a zéro dégât de collision. Vous ne pouvez pas vous mettre de dégâts entre joueurs, ni via les vaisseaux, ni via les armes. Donc il y a zéro crainte euh, pour le démarrage. Euh, bref, j'ai essayé de faire ça un petit peu dans l'ordre malgré le chapitrage. Donc du coup, eh ben, vous avez fait un petit peu le tour de votre station, des tutos, vous avez récupéré votre premier vaisseau. Vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose pour le moment. Euh, tout ce qu'il va falloir, eh ben, ça va être de vous faire une première petite session euh, de minage. Donc on va juste faire un tour euh, de certains éléments du vaisseau qui vont être essentiels quand même à connaître. Euh, tout premier lieu, quand même, je le rappelle, ça va être votre cabine de pilotage, on en reviendra juste un petit peu après. On va faire un petit tour avec le i de votre inventaire personnel qui va être ici. Ça, ça va être... Euh, le mining backpack qui va être l'aspirateur euh, à minerai euh, qui va attirer tous les éléments que vous aurez détachés ici vous avez euh, des accessoires que vous allez pouvoir fixer aux jambes et également aux mains euh, bien sûr vous avez la barre rapide donc si jamais vous voulez vous mettre un élément qui vous intéresse vous le mettez là vous avez juste à appuyer sur cette touche pour vous en équiper qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ça c'est votre petit euh, collecteur euh, personnel dedans par exemple vous allez pouvoir y mettre euh, des ressources parce que les ressources peuvent pas se mettre ici, ici ça va être exclusivement dans le sac à dos des outils euh, pour vous mettre personnellement quelques petites ressources, ça va être là-dedans. Ici stockage de la station, euh, vous y avez accès sans aucun lien, vous avez juste à être à une distance euh, raisonnable de la station pour pouvoir y avoir accès. Généralement dans le chat, vous le voyez tout de suite, ça va être écrit système. Euh, Entrer dans la safe zone ou entrer ou être sorti de la station. Donc, nous, on l'est. Il y a juste à le vérifier avec la touche I. Avec la touche I, on a absolument tout l'inventaire qui est stocké dans la station et on peut interagir avec. Euh, chose qui n'est pas le cas avec le vaisseau parce que le vaisseau est équipé de conteneurs. Les conteneurs, je n'y ai pas accès comme ça. Il va falloir que je me euh, link avec euh, ce petit support là. Donc, soit euh, on a juste à faire un petit clic gauche, clic. Euh, gauche de nouveau pour se désactiver sinon c'est avec la touche F donc là par exemple je suis euh, en lien avec mon vaisseau et mes conteneurs connectés vont être là juste en dessous donc ça ça a bien laissé vide avant votre petite session de minage ici ça va être on va mettre la touche G la fameuse parce que ça évite justement de ce que vous avez vu là de tomber et d'avoir des petits euh, ça c'est les thrusters donc ça c'est des petits euh, tout petits propulseurs qui vont servir ou à freiner quand ils sont placés à l'avant ou à manœuvrer votre vaisseau. On va avoir les batteries qui sont en dessous. On va avoir ici, on va s'activer la lampe avec N. Je vous rappelle à chaque fois les touches. Hein. La plupart des miennes sont par défaut. Ici, ici, ici. Ça, ça va être les générateurs. Ça, ça va être euh, la cartouche euh, de fuel qui s'achète, qui ne se recharge absolument pas dans les stations. On aura l'occasion de le voir après notre euh, petite session. Euh, de minage ici on a euh, nos fameux euh, conteneurs ici c'est des racks qui, qui contiennent elles euh, des cartouches de nouveau qui vont être pleines ça se voit avec la petite barre comme ça sien euh, qui vont être pleines on en a deux ici deux de l'autre côté il suffit de venir les récupérer et de les assembler euh, là bas à l'avant on l'a vu si jamais vous avez ça euh, que vous pouvez pas euh, vous voyez que votre élément euh, traverse les surfaces c'est la touche c qui est probablement pas activé la touche C qui va permettre de venir, euh, bah justement, euh, poser les éléments, euh, de venir les coller, de les snapper, comme on dit. Donc ça, on y reviendra juste après. Qu'est-ce que vous avez Bien évidemment, les deux propulseurs euh, tient un de par leur couleur bleue à l'arrière du vaisseau. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre Il y a peut-être ça que vous n'avez pas vu. Ça, ce sont des liens pré-câblés, en gros. Il y a juste à poser un nouveau propulseur, à le poser propre dessus. Derrière, c'est câblé. C'est presque... Euh, comment prédire du Build. Euh, donc en gros, on en a un en dessous, un au dessus. On pourrait poser deux nouveaux propulseurs ou deux autres éléments d'ailleurs, mais c'est plus à l'arrière, ce serait quand même plus logiquement des propulseurs. On a fait le tour un petit peu de notre vaisseau, on va rentrer dedans et s'intéresser aux quelques boutons qu'on a ici à dispo. Euh, ici, vous avez le transport. Qui va permettre, ce euh, n'est plus ni moins qu'une radio. Je n'ai pas plus d'explications à vous donner là-dessus. Malheureusement, je m'en suis pas trop servi. Euh, ici, c'est des euh, boutons qui vont remplacer le ZQSD, les mouvements de souris. Ça, c'est à ne pas toucher. Hein. En aucun cas, vous pilotez votre vaisseau comme ça. Les boutons sont mécaniques. À partir du moment où j'utilise le ZQSD, euh, les touches, enfin euh, les euh, boutons, déplacent, se déplacent tout seuls. Ici. C'est le générateur. Donc le générateur, en gros, il va venir manger du fuel. Donc le fuel, c'est la petite cartouche, la fameuse qu'on a vue, hein, qui est juste à l'arrière. Donc tant que le bouton générateur est activé, cette cartouche va être consommée. Donc si jamais vous n'êtes pas en mouvement, que vous bricolez sur votre vaisseau, ça va bien désactiver. Donc en gros, une fois que c'est activé, j'ai du fuel qui va être consommé et qui va alimenter. Euh, le générateur, le générateur qui va manger le carburant pour le, euh, pour le convertir pardon, en une énergie. Et l'énergie qui va servir à charger les batteries du vaisseau. Les batteries du vaisseau, évidemment, elles vont servir à absolument tout alimenter sur le vaisseau, à commencer par les propulseurs et les petits thrusters. Euh, le propellant, c'est à chaque fois euh, qu'on se déplace qui va être euh, consommé. Et on a fait un petit peu le tour fait un petit peu le tour est ce que je vous ai parlé un petit peu des distances pas vraiment euh, ce qu'il faut savoir c'est que on va se lever de son siège quand même on se présente euh, ici parce qu'on n'a pas euh, de map par défaut dans le jeu donc je vais vous faire une présentation avec une map qui a été faite euh, est ce que je peux ah je vais pas pouvoir tourner assez ah, mais elle est juste derrière c'est pour ça qu'on ne la voit pas on est autour euh, tous hein, toutes les stations d'une grosse géante gazeuse du nom de EOS ou EOS euh, et autour de cette euh, géante gazeuse, on va avoir un espèce d'anneau autour. Donc, un anneau qui va être euh, ici devant nous. C'est ce fameux euh, gros nuage euh, composé de particules. Euh, dedans, on va y trouver la fameuse euh, ceinture euh, d'astéroïdes. Donc, les astéroïdes vont être euh, tout petits et c'est dedans que l'on va pouvoir miner cet anneau. Je vous l'afficherai. Je crois que de mémoire, il fait quelque chose comme. Ah peut-être 2000 km. Euh, donc on l'a dit, euh, pour rappel, hein, euh, la safe zone, elle en fait 200. Euh, L'anneau fait 2000 km. Euh, derrière cet anneau, on a 14 000 km à parcourir avant de tomber sur la première lune. Ok. En parlant de distance, je vous parle de ça parce que déjà avec ce petit vaisseau, avec ce petit coucou, si on s'éloigne de 20-30 km de la station, ça sera déjà beau. Ok, donc le euh, générateur est activé, euh, ça on va pouvoir le couper, et on a une dernière touche à voir, c'est euh, le mode euh, croisière rouge. Donc une fois que c'est activé, c'est un peu comme un régulateur de vitesse, le vaisseau va maintenir la vitesse qu'on lui a donnée. Il n'y a plus... Euh, qu'à patienter et à s'enfoncer euh, dans le fameux euh, anneau nuage. Euh Nuages d'astéroïdes, enfin champ d'astéroïdes, pardon. On va essayer de se mettre bien en position. On les verra, c'est des petits points noirs. Donc là, franchement, il va falloir faire un petit peu de distance. Si vous voulez voir la distance qu'on a parcourue, il suffit de se retourner, euh, de pointer votre station d'origine et de regarder un petit peu les distances euh, augmentées. Alors quelque chose de tout bête, avant euh, d'aller miner, parce que là, du coup, ça va faire le lien avec la session de minage. C'est bête, hein. Ça m'est arrivé une fois, c'est prenez... prenez votre pioche. Premier conseil, euh, ça m'est arrivé, hein, j'ai fait 20-25 km, j'ai trouvé le petit astéroïde, je suis sorti de mon vaisseau, je suis arrivé devant, je n'avais pas de pioche, j'ai fait marcher à machine arrière, j'ai récupéré ma pioche, enfin bah, bref, c'est un conseil tout bête, mais pensez-y. Euh, juste avant, comme on l'avait dit aussi, c'est à se euh, Linker, euh, se relier à son vaisseau, de faire i, de venir vider ses conteneurs, euh, venez tout mettre dans la station tant que vous êtes à portée, parce que justement, il va falloir euh, miner et faire le plein. Ça va être également euh, l'occasion pour moi euh, de vous montrer ça. Si jamais vous, vous pouvez sortir du vaisseau. Hein. Alors, si la touche G est activée, vous allez flotter et vous allez plus coller. Alors, voilà, là on le voit bien flotter avec l'ombre. Euh, vous avez un risque de glissade. Surtout si vous sortez. Alors, des fois, c'est pour voir que tout se passe bien quand vous avez monté des nouveaux propulseurs. Si jamais vous sautez, ça va être très compliqué de rattraper le vaisseau. Alors, là, je peux. Hein, Puisqu'il est. Ah non, ça y est, je peux déjà plus. Je peux déjà plus, je pouvais un moment euh, Vous allez être rattrapé. Hein, évidemment automatiquement Vous serez pas perdu au milieu Vous serez juste stunné pendant 12 secondes Il suffira de se rasseoir pour être rassuré Et revenir à sa place Ok une dernière petite chose que je voulais vous montrer bah, c'était ça, euh, cette fameuse cartouche Donc ça il faut s'assurer à ce qu'elle soit pleine évidemment Et également à en avoir au moins une autre de pleine Dans un des deux racks Ça évitera de se retrouver en panne sèche euh, au milieu de l'espace, parce qu'à ce moment-là, la seule option qui se livrera à vous, ça sera de faire un transfert à votre station et de rapatrier euh, votre vaisseau à la station. Et il me semble qu'en plus de ça, quand vous le rapatriez, euh, le conteneur se vide. Je suis pas sûr de ça, mais prenez garde. Alors depuis la mise à jour, on voit euh, les autres vaisseaux. Hein. Donc c'est euh, le, le nom du, enfin le vaisseau de untel avec le nom du joueur à coller. Étant donné qu'on est dans une safe zone, il n'y a aucun intérêt à le cacher. Alors avant, il fallait deviner qu'il y avait des vaisseaux autour de nous. Euh, maintenant, on peut peut-être eh ben, euh, localiser un petit peu euh, ses amis. Puis localiser là où on pourrait... On va couper euh, le mode euh, croisière parce qu'on commence à tomber sur de l'astéroïde. Euh, du coup, je vous disais, on peut euh, du coup, bah, suivre un petit peu euh, ses amis. Alors pour les astéroïdes, il y a plusieurs choses à dire. Euh, il faut déjà s'avancer. Pas au point de les coller, mais presque. Hein. Il faut bien décélérer ici. C'est une distance qui est raisonnable. Il faut euh, se linker au conteneur pour que le contenu que l'on va aspirer euh, eh ben, euh, tape dedans. Ensuite, ce qui va être euh, super utile, ça va être de déployer son petit ordinateur universel. Alors, je ne vais pas utiliser les touches parce que moi, c'est. Alors, quand vous libérez la souris avec Tab, il faut aller dans Matériel. Et ici, je crois que contrôle. voilà, on peut zoomer, dézoomer. Euh, si jamais c'est petit pour certains. Euh, et après, une fois qu'on s'affiche. Euh, qu s'approche pardon assez près on peut voir le contenu de l'astéroïde donc ils ont toujours euh, du moins ceux que j'ai rencontrés hein, ils ont toujours euh, deux choses euh, la première c'est la matière principale la plus pauvre qui va être la croûte et l'intérieur qui va être une matière un petit peu plus euh, honorable euh, pour le démarrage ouais, est-ce que vous pouvez prendre les deux je vous le recommande pas parce qu'en fait vous avez pas tellement de place intéressez-vous à l'intérieur surtout je vous afficherai euh, les prix pour vous donner une idée euh, des différents matériaux. Moi, je sais que je l'utilise sur mon second écran. J'aime bien avoir un peu une idée des différents prix. Donc, on va s'équiper euh, de la pioche. La pioche, comme on a vu dans le tuto, on a deux clics. Avec le clic gauche, ça va être pour venir détacher des éléments, pour casser un petit peu la croûte, parce que euh, le, euh, les matières, les minéraux à l'intérieur ne sont pas forcément accessibles. Une fois qu'ils se détachent, c'est soit ils volent euh, d'eux-mêmes, soit avec eux, on peut les récupérer et les faire voler un petit peu plus loin avec la touche euh, bouton droit c'est là on va pouvoir les décomposer venir les récupérer voilà ici c'est un bon exemple alors moi la touche pour l'ordinateur je l'ai changé j'ai mis le clic molette et là ça permet de voir qu'il y a encore du minerai de vocarium une petite quantité certes et si on fait le tour bah elle est là il suffit de le ranger recliquer à nouveau de le récupérer on check. Ok, il ne reste plus que de la glace. C'est pas intéressant. C'est la matière qui se vend le moins cher. Euh, ça peut être bien si vous voulez crafter certains éléments, mais pff, autant y acheter en fait. Euh, le minerai, autant collecter des choses, euh, des matériaux euh, nobles, quitte à les revendre à très bon prix. Euh, et puis également euh, pour faire du crafting. Euh, C'est pas que la glace qu'on va crafter des éléments. Ok, donc là on est remonté dedans. On va appuyer sur I. Vous voyez qu'on est déjà. Pas mal rempli. Alors, si jamais de la glace, j'en ai pris un petit peu parce que j'ai cliqué à côté. Si jamais ça vous intéresse pas, euh, avant de revenir à votre vaisseau, vous venez récupérer la glace et vous la balancez en dehors. Elle va apparaître sous forme de petits cubes. Mais au moins, j'ai libéré une place euh, pour le conteneur. Voilà un petit peu pour les station, euh, pour les sessions de minage. Alors, je sais qu'avec le vaisseau de base, vous pouvez également vous caler légèrement en dessous en manœuvrant bien. Et vous pouvez déployer l'outil, l'analyser sans même sortir. Euh, je sais que je le faisais <laughs> par fainéantise. Mais vous ne gagnez pas tant que ça. Et puis en plus de ça, il y a un risque à le cogner. Euh, bref, quoi vous expliquer d'autre eh ben, Une fois que vous avez fait le plein, que vous vous êtes débarrassé des vilains éléments, n'hésitez pas à faire ça. Ça libère deux places de plus. On n'y pense pas. Parce que ça, ça ne se remplira pas. Euh, automatiquement donc une fois que vous avez fait le plein de ces deux emplacements personnels et de votre cargo il vous restera plus euh, qu'à cibler euh, votre petite station donc moi origine 26 et vous mettez en route on met un coup de lampe on va activer le mode croisière euh, là vous avez le temps de vous prendre un petit café donc là vous avez vu hein, on a dû mettre une dizaine de minutes pour faire 30 km euh, la safe zone en fait 200 Y a de quoi faire, hein. vous êtes quand même relativement tranquille à ce niveau-là. Allez, on se retrouve juste après euh, bah, à notre petit retour à la station. On s'approche un petit peu de la station et en plus de ça, il fait nuit. Donc c'est une très bonne chose pour ce que je voulais vous montrer. C'est que plutôt euh, que faire des sponsors en vaisseau, aller à la place du marché, aller à droite à gauche, euh, refaire le plein. Donc derrière la station on se trouve là. Hein, c'est là où c'est rouge. On a des espèces de petites tours qui incluent tout. C'est l'espèce de petites tour violette qu'on a ici. Euh, qu'on a également ici. Donc on va en rejoindre une et je vais vous montrer un peu. Euh, comment on fait le plein et comment on fait euh, de la vente à ce retour de minage. On y est, on va s'approcher propre. On va essayer de se mettre un petit peu plus comme ça, ça va s'éclairer. Hein. Quand on va s'approcher, euh, bah, là on est quand même pas trop mal. On va se mettre comme ça et ça c'est super pratique pour repartir. Faut oublier, euh, on coupe le générateur, on reste euh, en lien avec son vaisseau. Euh, ça, ça va permettre deux choses. Donc euh, le tout premier, c'est de venir euh, vider absolument tout son conteneur euh, à la station. Alors. Voilà. C'est mieux. C'est mieux et c'est mieux. Donc là, on l'a absolument tout vidé. Euh, je peux, j'ai deux options. Ça c'est le marché. Ça c'est le marché. Ça c'est le marché. On le verra juste après. Et sinon, euh, je me suis connecté du coup au vaisseau comme on l'a dit. Il faut recliquer à nouveau ici avec la touche F. Hop, on va se déséquiper, et maintenant mon vaisseau est connecté ici, ce qui fait que là, il y a trois choses. Euh, je peux venir euh, tout recharger, mais avant il faut que je vous explique quoi, et après on peut faire le plein de carburant et d'énergie. Pour l'énergie, ça va recharger vos batteries au maximum, ça sert pas à grand chose étant donné que ce taf là, c'est le générateur qui le fait. Euh, après, on peut recharger donc ce qu'ils appellent carburant. C'est le euh, Proplent. En aucun cas, ça va recharger ces espèces de petites cartouches que l'on voit. Donc le ProPlant, on l'a vu, c'était la barre du bas. La barre du haut qui elle va euh, servir à alimenter euh, le générateur. Il va falloir euh, soit mettre une nouvelle cartouche en bas, ou soit en acheter une plaine. Ou euh, lorsque vous aurez euh, débloqué euh, cet élément-là euh, dans la table. Ça, on le verra un peu plus tard. Quand vous aurez débloqué cet élément-là, vous pourrez euh, les recharger ou les crafter. Donc il faut aller, si jamais vous l'avez, euh, partie de vaisseau, machinerie, et c'est là. Donc là, on a trois options. C'est où on achète une barre vide, où on achète une barre pleine, ou on recharge. Pour recharger, il faut avoir dans son inventaire une barre vide. On clique ici, ça va juste euh, bouffer un peu euh, de nurgit. Et puis, bah, ça va faire le plein. Après, il suffit de récupérer sa petite barre et de venir la mettre ici. Je vais quand même vous le montrer. Allez, je vais quand même vous le montrer. Elle n'est pas tout à fait vide. Avec la touche E, euh, je viens la récupérer. On va s'approcher. Donc, avec la molette, je peux euh, l'éloigner ou pas. Avec la touche Y, en laissant appuyer dessus, je l'incline sur ce plan. Avec la touche euh, X, c'est sur ce plan. La touche W, c'est sur ce plan. Au début, on est vite perdu, mais ça devrait aller. Encore une fois, c'est la touche C hein, qui va nous permettre de venir coller la pièce. On va la mettre ici en attendant. Euh, faites attention, hein, parce que quand vous bougez, que vous libérez votre pièce, elle va s'envoler toute seule. Faites attention à bien être immobile. Ok, on vient récupérer une plaine avec la touche Y. On va la faire légèrement pivoter. Alors, l'idéal, c'est soit vous bougez votre pièce, soit vous bougez euh, presque vous-même. Alors là, elle est quand même sacrément tordue. On va mettre un petit coup, voilà, comme ça. Et après, bah, il suffit de se positionner de sorte à ce que. On imagine bien la pièce dedans et elle va venir se coller. Voilà, là, c'est le cas. Même si je suis totalement de travers, on appuie sur E, ça la libère. On a fait le plein. Bien, bien récupérer celle-ci, on va la mettre dedans. On appuie sur E, ok, on l'a rangé. Euh, donc, ça, on l'a vu. Et ben bah, là, du coup, le nouveau chapitre, ça va être un retour de sa session euh, de minage. Euh, Qu'est-ce que je fais des minerais que j'ai récupérés Et ben bah, vous avez deux options. La toute première, ça va être le volet économique. Ça va être euh, de rejoindre un de ces panneaux. Donc, vous avez euh, strictement euh, la même chose à la place du marché. Donc, ça, ça va être vos différents stockages. Donc, ça, c'est l'équipement personnel. Ouais, je devais pas en avoir. C'était un petit bug. Le vaisseau et le stockage de la station. Donc j'ai vraiment tout ça. Ça, c'est des ventes qui se font à l'IA. Euh, donc c'est en aucun joueur. C'est euh, instantané. Je clique sur un Minerai de Norgit. Il va me le vendre à ce prix-là. 1008. Si on regarde mon petit panneau, il n'y a rien qui se vend à un prix intéressant. Même le carodium, qui un temps avait des prix qui étaient à peu près alignés, on arrive à le vendre mieux que 3008, il me semble. Euh, donc, soit vous pouvez venir cliquer individuellement sur les ressources, soit vous pouvez faire vraiment du rapide, vous cliquez sur tout vendre, vous reprenez votre vaisseau et vous repartiez euh, de nouveau pour faire une petite session de minage, ou soit sinon vous allez faire point virgule. Et vous allez arriver dans le menu d'achat et de vente entre joueurs. Ça, c'est nettement plus intéressant. Euh, donc par exemple, on va prendre le carodium qu'on a vu. On va prendre euh, un stack qui est euh, à 172, donc il est plein. On le voyait, on pouvait le vendre à 3008 ici. Euh, ici, on peut trier par prix. Donc là, il nous le rappelle, le prix le moins cher qui se vend, c'est quasiment 4005. Et la moyenne, c'est 4900, notamment en voir plus bas, peut-être. Donc, c'est super intéressant de faire ça. Donc, là, vous pouvez venir stacker vos éléments. Euh, alors, là, vous pouvez pas. Des fois, ça arrive. C'est que la, la pile n'est pas pleine. Il ne gère que des piles pleines. Ici, j'ai deux piles. Euh, le prix par pile, on va le fixer à 4900, pourquoi pas. En total, j'ai euh, ce prix-là, évidemment. Il y a 10% de taxe. J'ai un profit à me faire de 8008. Je fais créer une action ça me les a enlevés de mon inventaire mais c'est pas encore vendu pour ça il va falloir attendre qu'un joueur soit intéressé et clique dessus euh, dans ce haut, avec la touche haut vous pouvez venir dans votre inventaire, dans le crafting etc et dans euh, l'onglet CV vous pouvez voir les transactions qui ont été faites donc là tout récemment j'ai vendu un petit stack qui était vide et ici bah, si jamais il y a euh, une vente qui se fait j'aurai une petite ligne en plus qui viendra apparaître j'aurai également un message en bas à droite il me semble de mon écran quand la vente sera effective. Alors vendre, euh, du coup, bah c'est bien pour se faire des crédits, évidemment, parce que des crédits, il en faudra, parce qu'il va falloir également acheter des éléments que vous ne pourrez pas vous payer vous-même, acheter des vaisseaux, etc. Mais bien sûr, il va falloir euh, crafter vous-même euh, les éléments pour deux raisons. C'est que, un, quand vous craftez, ça sera toujours plus rentable que si vous achetez. Et de deux, quand vous craftez des éléments, euh, donc par exemple on va prendre une poutre, même une poutre, une vulgaire poutre. Euh, ici il va me nécessiter euh, du bastium, il va me nécessiter une table de craft, on verra où est-ce qu'on peut la trouver, et c'est surtout... Alors est-ce que c'est que je peux pas la crafter qui me l'affiche pas Non, c'est que les poutres ne me ramènent rien. Euh, ici, par exemple, si on prend ce module... Alors on va peut-être prendre un truc un peu plus. On va pas s'intéresser aux poutres, ne serait-ce qu'une petite plaque. Voilà, elle, elle commence déjà à ramener un petit peu de points de technologie. Euh, C'est le petit carré qu'on voit. Le petit carré, euh, il va être alimenté de 7 une fois que j'aurai crafté une seule plaque. Euh, tout ça avec le menu K, le menu de recherche. Euh, ici, je vais avoir mes points technologiques rangés par catégorie. Donc, ici, dans Basic, c'est tout ce qui va concerner les pièces du vaisseau. Euh, dans Weapon et Tools, c'est les équipements personnels et les armes. Dans Avancé, c'est tout ce qui va toucher aux stations. Donc, déjà dans Basic, en tout premier lieu, on va pouvoir se faire une table de craft euh, que l'on va pouvoir bah, du coup crafter et que l'on va pouvoir euh, poser euh, sur son vaisseau. Ça va permettre de pouvoir crafter sans se rendre à chaque fois à l'endroit que je vais vous présenter juste après. Et euh, euh, bah, ensuite, une fois qu'on a débloqué des nouveaux éléments, on va avoir un ensemble de pièces derrière qui va pouvoir euh, se débloquer, Comme là, par exemple, j'ai celui-là qui est entouré. Je pourrais être en mesure de le débloquer. On parle de refroidisseur. Ok, qui me coûte ce certain nombre de points. On va cliquer dessus. Ça y est, je l'ai débloqué. Je peux de nouveau... Enfin, euh, je peux maintenant faire de nouvelles pièces. Donc en termes d'économie, voilà les trois choses à peu près. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vendre ici euh, du minerai... Exclusivement du minerai à l'IA. À des prix qui sont... Pas intéressant, orf même franchement pas intéressant. On va juste prendre. Est-ce que j'ai de la glace Je crois pas. Hein. Je crois pas. Ça se vend vraiment pas cher. Euh, sinon, il y a les ventes privées, comme on a vu avec le bouton euh, ici. Euh, vous pouvez absolument euh, tout vendre. Hein. Je pourrais venir vendre cette pièce et c'est exactement la même chose. Il faut essayer de cibler un prix. Soit vous voulez vite le vendre pour vous en débarrasser ou avoir, de, avoir des crédits. Il faut euh, tabler autour de ce prix. Si vous n'êtes pas super pressé, mettez un prix au milieu, voire même un prix euh, médian. Après, il faut s'assurer. Là, si je le mets à 800. Si je le mets à 800, j'ai quand même un certain nombre de pièces qui vont être moins chères que celle-ci. Euh, voilà, ça, c'est à regarder. Ici, on a le prix et ici, on a le nombre de pièces qui sont vendues à ce prix-là. Euh, alors, j'en profite, on a deux types de déplacements. Là, on va se rendre à Lizzy parce que là-bas, on a une table de craft. On va pouvoir crafter certains éléments. C'est soit je récupère mon vaisseau et j'y vais, soit je peux venir faire des spawns de mon vaisseau euh, avec. Cette option-là, transfert d'assurance, je vais pouvoir rejoindre directement Build Et ça y est, on y est. C'est simple, c'est rapide. Pour ça, encore une fois, il faut avoir euh, trouvé ce panneau et avoir mémorisé l'emplacement de euh, La voilà. Hein. Euh, même si on va pas parler de construction aujourd'hui, on va juste terminer avec euh, du craft. Alors le craft, euh, c'est très simple. Il faut que ça se fasse... Euh, bah ici, ça va. La table de craft est, est sur la station. Donc forcément, quand je vais crafter, avec le menu H, euh, je vais avoir... check Je vais avoir, bah, euh, ça va être connecté à toutes les ressources qui peuvent être stockées. Donc là, je vais avoir le nombre de pièces que je vais pouvoir crafter en fonction des ressources que j'ai. Bref, si j'ai une table de craft sur mon vaisseau, il va falloir être connecté à son vaisseau pour pouvoir crafter. Je vais avoir nettement moins de ressources parce que, comme on a vu, notre vaisseau est assez limité. Euh, voilà, on ne va pas rentrer dans les constructions. Je crois que c'était à peu près tout pour ce petit tour. Euh, voilà, savoir comment euh, se repérer un petit peu dans, dans une station, euh, savoir aller miner euh, les bonnes. Pratique, euh, qu'est-ce qu'on fait à son retour de minage, achat, vente, euh, et après, bah, il y a également la même chose, comme je vous ai dit hein, c'est que dans les ventes, vous allez pouvoir euh, crafter certains petits éléments, pourquoi pas basiques, et bah, après, venir les vendre hein, si jamais ça vous intéresse pas, ne, ne serait-ce que cette petite pièce là, et ben bah, il faut suivre la loi du marché parce que des fois elles sont recherchées, hein. elles, elles coûtent à crafter, c'est pas grand-chose, et pourtant, je la vends. Euh, 70 le moins cher possible Alors des fois c'est à surveiller Parce y a des jours ça va se vendre 4 euh, Comme ça va être équivalent De cette pièce Ah bah j'en ai plus beaucoup parce que j'ai fait quand même pas mal de ventes Un conteneur ça c'est pas mal à suivre Ça se vend toujours aux alentours de 250 De temps en temps je regarde Le prix mais les conteneurs tout le monde en a C'est pas super intéressant par contre ces petites pièces Ça peut vite euh, Devenir recherché Donc là ça peut être bien ça peut être le bon coup à faire on va les faire glisser. Il les vend 70. Nous, on va les vendre 65. En plus de ça, c'est qu'il n'a pas beaucoup de stock. On peut même les vendre à 70. Hein. Et on a un petit profit à se faire de 500. Euh, hop là, c'est bon à prendre. Euh, et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo euh, tuto et que vous en voulez d'autres. N'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Si jamais vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Allez, sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.